Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo création ATS, voilà, j'avais envie de faire une avec vous. J'en ai fait pas mal pour envoyer aux copines, mes enveloppes sont prêtes, mais je ne sais pas si la poste fonctionne normalement, donc je vais attendre un petit peu avant de les poster pour être sûr que tout le monde a son courrier. Voilà, donc à propos de courrier, je vais en venir à mon petit jeu. Je comprends très très bien que toutes celles qui veulent m'envoyer un courrier préfèrent attendre que ça se tasse un petit peu avec ce virus. Voilà, j'espère que ça va aller très vite et qu'on sera plus rassurés un peu plus tous les jours. C'est pas le cas en ce moment, mais bon, voilà, je comprends que vous reportiez vos envois de petites Memory Dex ou Cartoonet. Voilà, il n'y a pas de souci. Je ferai en fonction des arrivages de courrier. Voilà. Tout simplement. Donc, en plus, la commande de balle, j'espère l'avoir. Bon, elle va me l'envoyer par point relais. Pour le moment, le point relais, il est ouvert. Donc, j'espère que ça va aller. De toute façon, j'ai la liste de ce que j'ai commandé. Je pourrais le mettre dans mes lots quand même que je ne les ai pas. Et je les enverrai quand je les aurai. Voilà, je crois que j'ai tout dit à ce sujet. Donc, prenez pas de risques, restez à la maison. Et puis, pour les envois, on verra tout à l'heure. Tout à l'heure, plus tard. Hein. Je vais commencer une petite série de trois attestants. Voilà, avec vous. J'en profite. Comme je fais une vidéo annonce, j'en profite pour faire une petite série. On va faire un petit fond. Alors, j'ai acheté ces brosses là. J'ai acheté ces brosses pour faire des fonds. J'ai acheté sur Amazon. Je les ai payées 7 euros, même pas 8 euros. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brosses. Donc, je croyais qu'il y en avait 10, non, 9 brosses. Donc, pour 7 euros et 10 poussières. Et je vous assure que pour faire les fonds, c'est génial. D'ailleurs, on va en faire un là. Vous allez voir, c'est génial. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a cette forme-là. Voilà, comme ceci. Je ne montre pas bien. Voilà, comme ceci. Très grosse. Il y a la même forme en plus petit. Il y a encore plus petit. Il y a encore plus petit. Et il y a les toutes petites brosses. Enfin, il y a une ronde comme ça. Voilà, c'est des poils très denses, très fins, et c'est super bien pour faire les fonds. Et il y en a une autre encore plus petite, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a des brosses plus allongées, toujours pareil avec des poils très denses. Voilà. Celles-ci sont toutes neuves, je ne m'en suis pas servie, sauf d'une, sauf la petite, là. J'ai colorisé des fleurs, et c'est super. Des fleurs, des feuilles, c'était. Voilà, c'est génial. C'est vraiment, elles sont toutes en longueur, toutes fines. Pour faire les détails, c'est super bien. Et les grosses pour faire les fonds, c'est super. Donc c'est sur Amazon, voilà. Donc on va faire le fond avec une de ces brosses. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est tout doux. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire un fond plutôt jaune. C'est une encre que j'avais eue avec Val lors d'une commande. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci. Voilà. Et puis je m'en sers pour faire les fonds et elle est très bien. Voilà, allez, c'est parti. Je vais enlever mon pot. Je vais mettre derrière. Je vais mettre derrière. Je vais faire un fond très léger. Et très uniforme. Vous allez voir, c'est super ces petites brosses. J'espère que vous voyez. On peut faire des dégradés super jolis avec aussi. Donc j'ai fait couper une bande qui mesure 5 cm. Et après, je vais la recouper à 3 pour faire la différence. Pour faire le fond de mon attestante.
Alors pour la nettoyer, ces petites brosses-là, je les passe sur le papier après et toute l'encre s'en va. Il n'y a aucun problème. Les autres encres se mélangent pas. On ne voit pas du jaune après qui vient se coller avec du rose. Je crois que ça pourrait être joli, hein. Voilà. Encore un petit peu. Alors c'est un papier basique. C'est du 160 grammes, lisse. Voilà. Voilà, je voulais un fond très léger. J'espère qu'on voit bien. Il est tellement léger que c'est à peine si se voit à l'écran. J'espère que en vrai, ça va se voir. Enfin, en vrai, sur la vidéo, je veux dire. Allez, c'est parti. Donc, on va faire un fond avec. J'ai su ma brosse. Vous voyez, ça va même pas sur mon papier. Il y en a même pas. C'est super génial. J'adore cette petite brosse. Ensuite, on va prendre les petites roses en mousse. Voilà, ces petites roses-là. J'avais fait une vidéo, mais je la trouvais pas terrible. Ma vidéo pas très explicite. J'espère que je serai un peu plus aussi. Voilà, donc je vais la supprimer et puis celle-ci sortira dans la journée. Voilà. Les petites roses en mousse que j'avais eues avec ma petite Nathalie. Voilà. Donc je prends toujours pareil, la même couleur, c'est le Sauterelle de chez Horizon Créative. Voilà. Je vais prendre une encre Isigny que j'avais en cadeau avec une copinette, une rose. Enfin, c'est rosé, c'est de chez Aladdin. Et puis je vais reprendre la jaune, celle-ci aussi, peut-être un peu. Voilà, allez, c'est parti. Donc je vais ouvrir mes encres. Voilà. La rose, la verte et la jaune. Je vais tremper un petit peu dans la verte, un petit peu dans la rose, un petit peu dans la jaune. Je fais un test sur mon papier. Super. Voilà, un petit peu dans la verte, un petit peu dans la jaune. Hop. Et c'est parti, je fais un fond de rose. Donc, même principe que pour la grosse rose. Je tamponne et je tourne un peu. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et c'est différent à chaque fois, hein. Donc je vais faire par l'autre côté parce que je veux quelque chose de clair et je veux quelque chose de partiel. Je ne veux pas faire tout pareil parce que tout simplement je fais trois attestantes. J'aurais pu tout couvrir, mais ça aurait fait trop chargé et j'ai besoin de quelque chose de chargé. Donc, je décharge un peu. Je repère plus près parce que je ne sais pas où ça va tomber exactement. Voilà. Voilà. Donc je vais couper mes petits attestants. Donc c'est 5 là, je sais plus. Oui, c'est 5 cm. Donc je vais couper 3 dans l'autre sens. Voilà, je vais fermer mes encres. Hop. Je vais couper mes petits attestants. Je vais enlever ça. Donc j'ai dit que je faisais 3 cm. Voilà, le plus droit possible. Voilà. C'est vraiment des toutes petites créations. Je vérifie sur mon papier. Hop. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ensuite, je vais en faire une autre. Deux autres, c'est une série de 3. Hop. J'aurais même pu faire 3,5. Mais bon, je suis partie maintenant. Voilà. Je vais ancrer le tour.
avec de l'encre rose. Toujours la même, hein. Le deuxième. Le troisième. Voilà. Voyons voir. Je vais peut-être mettre un petit peu de plus foncé parce que là, je trouve qu'elles sont un peu fadasses quand même, les roses. Alors, je vais mettre un petit peu de rose. Je prends l'autre rose. Voilà. Voilà. Allez, suivante. Et hop. Voilà. Super. Je préfère. Ensuite, ben, je vais coller sur ma petite base. Je mettrais bien un autre petit morceau en dessous d'une autre couleur, parce que ça fait un peu léger, je trouve. Un autre petit rectangle qui ferait 3,5 sur 5,5. Ouais. Alors, on va choisir un autre papier. Un autre papier, on va le faire blanc, hein. On va le faire blanc. Ouais. 3,5, j'ai dit 3,5 sur 5,5. Histoire de mater le timbre. 3,5 sur 5,5. Je teste. C'est bien. Voilà. Allez, 5,5. Encore un petit troisième. Et voilà. J'enlève ça. Je prends la colle. Je vais peut-être les tamponner avant, je préfère. Ouais, je vais tamponner avant mes petits fonds. Alors, un tampon, un bloc acrylique. Alors, je vais tamponner cela d'abord. Hop, on va ça fine. Voilà, les petites vagues.
Et hop, et voilà. Ça me va bien. On a ça. J'ai collé mes petites bases sur les bases blanches. Je vais attendre avant d'appuyer parce que mon encre verte à fumer n'est pas sèche. Je vais tout décoller d'abord, tranquille. Voilà. Le petit dernier. Coller de ce côté-là. Voilà. Un petit papier. Heureusement qu'on a le scrap pour faire passer les journées, parce que je sais pas combien de temps on va rester confiné, hein, il vaut mieux rester confiné. C'est un virus qui est quand même assez violent. On va rester prudent, hein. Voilà. Donc je vais coller ça sur mes petites bases. Des petites bases que j'avais avec une copinette, que je remercie beaucoup. Il faudrait que je commande un dice comme ça, parce que j'ai pas de découpe, timbre. Et voilà quoi. C'est quand même plus pratique quand on a le dice pour couper ce genre de choses que les ciseaux pointeurs. Je suis en train de regarder, celui-là il n'est pas collé droit. Ça me tille, ça m'énerve. Je décolle. J'essaie de bouger un peu en espérant qu'il n'est pas collé complètement. Bah si, bah tant pis. Hein, tant pis. Je vais essayer de camoufler un petit peu mes bêtises. C'est ça, en vouloir faire en vidéo et en voulant faire trop vite, eh bien on fait des bêtises. Voilà. Hop. Premier. Le deuxième. On va attendre Macron ce qu'il va nous dire ce soir, ce qu'il va prendre comme décision supplémentaire. Apparemment, il va prendre d'autres mesures. Donc, on va voir aux actualités ce qu'ils vont nous dire. Voilà. Et le troisième. Et voilà. Ah, j'ai pas vu, celui-là est un petit peu abîmé sur le côté là. Je vais prendre, il est pas coupé comme il faut. Donc je vais essayer d'en trouver un autre parmi celles qu'elle m'a envoyées. Voilà, celui-là, il est bien. Il y a encore beaucoup de colle, donc ça va le faire, hein. Voilà. Bon, je vous montre ce que ça prend pour le moment. Hop. Je vais changer, je vais me mettre à l'endroit. Voilà ce que ça donne, mes petits attestants. Voilà, je vais décorer avec des petites roses, parce que j'ai des toutes petites, petites roses. Des toutes petites roses qui me proviennent du chou, là. Je sais pas où je les ai mis. Bref, si, si.
petite rose comme ceci. J'avais acheté ça, je crois que c'était chez Noz, mais il y a très longtemps. Et il y en a des jaunes, des verts, des bleus, des marrons, des roses, des violets. Donc je vais en mettre dessus une petite. Et ce sera tout. Je voulais mettre des perles, mais ça va faire trop. Donc je pose ma boîte de perles par terre. Et puis je vais coller des petites roses. Donc je vais choisir celle-ci. Là, elles sont petites, petites. Hein. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer, mais c'est vraiment tout petit, petit. Mais comme j'aime bien tout ce qui est petit, moi, hein, c'est vraiment des toutes petites roses. Hein. J'espère que vous les voyez. Je vais les coller sur mes attestantes. Donc, je vais en coller une là. Oups. Je vais en coller une ici. Voilà. Et je vais peut-être changer de couleur. Je vais prendre une couleur. J'ai rose fuchsia, Bordeaux. Et je vais prendre tiens, une rose claire. Je vois que j'ai rose claire. Donc c'est bien, ça fait comme les aiguilles, ça tourne pour pouvoir sélectionner la petite rose. Bon, j'ai un strass dedans, je sais pas ce qu'il fait là. Oups. Voilà. On a plus à côté que dedans. Maintenant, j'ai plus qu'à trier. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça là-dedans. J'arrive à les récupérer parce que c'est vraiment pas facile à prendre. Je vais mettre dans la boîte. Pour le moment, j'arrête là. Quoique je pourrais en mettre d'autres. Non, ça va faire charger. Ça va faire charger. Je verrai. Peut-être des petits strass, je sais pas. Voilà pour les petits attestants faits avec des petites roses en mousse. C'est tout léger, tout clair, tout en douceur. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de mes petits attestants. Petite série de 3. Voilà. Peut-être que je mettrai des petits strass dans les tons mauves pour rappeler le bord du. Je sais pas si j'en ai d'ailleurs. Des mauves. Enfin des parmes. Pour rappeler le tour à la base, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ça c'est trop gros. Ah si, tiens, je vais mettre les perles roses. Pour rester dans le rose. Ah, je suis dans le rose là. Hein. Allez, on va mettre une perle rose. On va en mettre une là. On va en mettre une là. Et une. Une là. Voilà. Un petit truc. Là, tu comptes dans ma big shot. Un petit cutter. Voilà. Alors, j'en ai une là. On va essayer de pas faire des bêtises. Voilà. Oh, même pas se décoller. Non. Et une. J'avais une toute petite fleur aussi que Aude m'avait offert. Non, je vais arrêter là parce que si j'en ai, ça va faire trop épais. Faut penser au classement aussi. Au classement, c'est pas la peine de mettre de l'épaisseur, trop. Voilà. Maintenant j'arrête, hein, j'en mets plus. J'en mets plus, il y en a assez. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Mes 3 petits attestants. Voilà.
Voilà ma petite, mon petit tuto d'aujourd'hui. Donc, faites attention à vous, hein. Pas de sorties inutiles. Et puis, si les envois sont, si j'ai pas d'envoi dans l'immédiat, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vaut mieux que vous restiez chez vous, calfeutré. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que j'aurai des envois, je ferai mon petit jeu. Voilà, pas d'affolement. Si c'est dans 15 jours, ce sera dans 15 jours. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Voilà. Je suis en train de regarder mes attestants en même temps, puis j'attends ton feuille, là. Est-ce que je fais une feuille? Ah, bah là, c'est jamais fini avec moi. Hein. Ah, bah non, maintenant. Bah est-ce que je fais une feuille? Ouais, j'ai envie. Allez, non, non, c'est pas fini. Je suis toujours comme ça, moi. Je reviens toujours sur quelque chose que j'ai fait. J'ai envie de mettre une feuille avec le petit tampon rose. Voilà. Une feuille. Là. Ouais. Une autre là. Ah ouais, ça fait tout, voilà. Hein? Et comme il faut faire trois, je vais en faire un tout petit bout. Un tout petit bout là. Voilà, génial. Voilà, je rajoute plus rien. Vous devez vous dire, elle est folle, celle-là, elle est folle. Elle est folle. Voilà. Une feuille là. On va imaginer le bouquet de rose, hein. Une là. Et une là. Voilà. Hop. Ah ouais, ça fait toute la différence, hein, je vous assure. Hein, c'est joli. C'est joli comme tout. Alors, je vais en faire une. Là, là. Une autre là. Par-dessus mes gommettes de rose, là, c'est. Et une autre là. Là. Voilà, ce coup-ci, j'arrête, c'est fini. Je vous les remontre. Parce que là, quand même, il faut que je les montre. Hein. Dans le bon sens, on met le tampon en haut. Voilà. 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 Les petites feuilles, ça fait tout. J'aime bien. Est-ce que je suis en place? Voilà. Voilà mes petits attestants. Là-dessus, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo patouille. Voilà. Je vais la tourner directement après. Au revoir. Gros bisous à tous.